On va commencer par éplucher nos pommes. Donc j'ai épluché mes pommes, je les ai coupées en deux et je les ai vidées. Alors maintenant je vais tailler des tranches. Donc j'ai coupé mes pommes en tranches et ce que je vais faire, les extrémités, je vais les retirer. Alors les extrémités, hein, vous pouvez les manger parce que ça fera pas joli sur ma tarte. Ensuite, je vais les aplatir. Et je vais donc faire des ronds sur ma pâte feuilletée. En fait, ce sera pour faire votre tarte. Alors c'est une tarte fine que je fais aux pommes, mais vous pouvez la faire à la mangue, aux poires, à l'ananas. On peut faire des tartes fines à ce qu'on veut. Donc voilà. Et là, ce qu'il faut faire, c'est donc piquer notre tarte pour éviter qu'elle ne gonfle de trop au four. Donc là, je vais mettre de la compote de pommes au milieu de ma tarte. J'en mettrai peu. Hein. Et pas besoin de l'étaler parce que quand on va poser la pomme dessus, elle va s'étaler toute seule. Voilà, donc là je vais saupoudrer de sucre de canne pour avoir une belle coloration et je vais mettre ça au four entre 15 et 20 minutes à surveiller. Nos tartes fines sont cuites, on va les sortir du four. Voilà, on obtient des belles tartes fines. Donc j'ai mis mes tartes fines sur une grille pour qu'elles refroidissent. Alors ce qu'on peut faire, c'est soit les saupoudrer de sucre glace, ça fait aussi joli, ou alors les napper avec un petit peu de nappage abricot. Donc vous avez vu, hein, c'est une recette qui est assez simple.